précédemment. Vous avez réussi. Beau travail. L'entrée du stockage se trouve derrière l'arboretum. Pistolet disjoncteur étourdissant. Ouais, c'est un taser quoi en fait. C'est un putain de taser. Allons-y, avançons. Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Aucune recherche n'en fait mention. Waouh. Ne vous en approchez pas. Oui, bah je t'inquiète. Ok, bon bah je suppose qu'on va passer par là, hein. Donc on est dans l'arboretum. Hey, salut. Hey, par ici. Ouvrez cette porte. Pourquoi? Je vous en supplie. Vous pouvez l'ouvrir? J'ai pas le mot de passe. Eh gros, j'ai pas le mot de passe. Vous pouvez l'ouvrir? Non, je peux pas l'ouvrir. I'm sorry. Non mais pourquoi je voudrais ouvrir ça? T'as vu la gueule de la bestiole qui est à côté de toi? Arrête tes conneries. Un télépathe. En fait, ce truc-là prend possession des personnes. Allons-y, avançons. Ah mais il y a des tourelles en fait ici. Ah oui, mais ça protège. Ça protège grave. Bonjour. Genre, tu pouvais essayer de passer par là. Oh non. Non. Ok. Très bien. On se casse. J'ai rien compris. On se casse. C'est le grand hall de Talos. Mais alors, là, il va me faire redescendre en bas, en fait. Il va me faire redescendre de l'ascenseur. Ok. Morgan, d'après ce que je sais, c'est un Typhoon de type inconnu. C'est à cause de lui que l'ascenseur ne fonctionne pas. Oh mon dieu. Il possède les mêmes capacités perturbatrices que le fantôme que vous avez libéré au département psychotronique. En plus puissante. Vous devriez en apprendre plus en le scannant. Je vais scanner, par contre je vais mourir. Ah. Mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? Il est sensible à quoi? Électricité, explosion, IEM. Ça les bouffe en vrai. Mais il esquive l'enfoiré. Est-ce que ça l'a un peu bouffé ou absolument pas? Et il veut pas crever hein. Cet enfoiré là. Ok. Ça l'a bouffé un peu ça. Est-ce qu'on peut le stunt avec ce petit pistolet là? Non, aïe. Bonjour. Où est-ce qu'il est? Attention, toute tentative de modification des commandes administratives. Ah, je l'ai foiré. De travail ou digicode peut se faire déclarer. Boum. Ah, ça l'a un peu. Par contre, je vais crever là, vite. De la vie. Problème pour accéder à un système. Hop. Envoyez une demande d'aide à la sécurité. Boum. Bitch. Ah, je l'ai recyclé le mec. Beau travail. L'ascenseur est de nouveau en ligne. Ce typhoon a piraté tout le matériel, le système d'exploitation et même le code de la machine. Oh putain. Il l'a reprogrammé à la volée. Fascinant. Fascinant. Et inquiétant. Je peux rétablir le code. Vous ne devriez pas avoir de problème. L'ascenseur vous permet de vous déplacer rapidement entre les trois ponts principaux de Talos One. Il s'arrête au grand hall et plus bas au système de support de vie. À présent. Hello les gens, ici c'est Chaloir, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 9 sur Prey. Et la dernière fois on s'était arrêté, qu'il y avait une énorme bestiole. Attention, la direction de la station a lancé une alerte. Tout le personnel doit ça fait 10 minutes que je suis en train de faire des réglages et tout ça. Et attendre de nouvelles instructions. Elle ne m'a rien dit et là elle en profite pour que je parle pour me couper. Merci. Merci la voix, merci. Donc on s'était arrêté la dernière fois qu'on avait battu une grosse bestiole qui était en fait donc qui était juste un télépathe en fait, j'avais pas remarqué parce que j'avais l'impression qu'il était beaucoup plus gros, mais c'était donc le télépathe. Par chance, il n'y avait personne dans la salle à qui prendre le contrôle à part les robots. Je vous rappelle que les robots, ils se sont fait pirater. Et puis il était l'heure donc de d'aller faire des tas de choses. Des tas de choses trop cool. Des tas de choses trop cool comme des tours entrer dans le stockage. D'accord. Et je crois que pour aller dans le stockage, il faut colmater la brèche du stockage. Ou un truc comme ça. Ah non, il me dit qu'il faut aller là-bas. Mais écoutez, aujourd'hui on va faire un peu de quête annexe. Et puis on va aller là. Bonjour. Hop, alors, où est-ce qu'il faut que j'aille? À l'arboretum dans le gros, nos supports de vie. Où est-ce qu'elles sont les gros trucs moi? Je sais pas où elles sont. Faut être dans support de vie, je suppose. Parce que le grand hall, on y est déjà allé. Le reste non.
Parce que hors de vie, on n'est pas allé. L'arboretum, c'est de là où on vient. Forcément. Oh, c'était joli. Oui, quand ils disent grand ascenseur, c'est grand. Yo, il y avait un truc en feu, là. Colmatier la brèche, c'était là. Clé du module d'évacuation, mort de psychotronique. Ok. Alors, du coup... faut remonter à l'arboretum. Ça. Il faut remonter à l'arboretum. J'ai pas compris en vrai. Ah, ok, d'accord. Non, je suis pas d'accord. Ouais, parce que là, je suis à un point de vie, je vais crever là. Basiquement, mon gars, faut pas déconner. Ouais, ouais, je sais que j'ai vu. Bref. Voilà. Organe, pudding. Mange le pudding. Et il a disparu. Est-ce que c'était dans ma tête? Non, je ne sais pas. Ok, donc en fait, il fallait certainement faire ça. Il fallait déclencher un truc, je sais pas. Ou alors, je me suis trompé depuis le début. Je vais pas dans la mauvaise... Je suis pas dans la bonne direction. Parce que là, on est d'accord que la mission principale, il me dit que c'est par là-bas. Ah oui, d'accord, ça c'est quand tu arrives ici et c'est pour l'appeler, ok. Ok, retournons du bon côté. Je ne sais pas pourquoi ils veulent me faire aller là-bas, mais on va aller là-bas. Est-ce qu'il faut aller dans le truc de stockage? Mais le truc de stockage, je sais pas où c'est, moi. Il fallait d'abord, d'abord il fallait débloquer l'ascenseur et ensuite aller dans le truc de stockage, c'est ça. Bon, faire tourner à l'ascenseur alors qu'en fait c'était pas obligé. Vous pouvez aller directement au truc de stockage. C'est juste parce qu'il fallait voir qu'est-ce qui bloquait l'ascenseur. Il me semble que c'était un truc comme ça. Sinon le système du guidage du jeu, le GPS, il est cassé. Hein. Il est complètement cassé, il faut chercher par soi-même. Ce qui serait assez horrible. Sachant que la map est assez grande, définie en plusieurs étages. Ce serait assez compliqué de devoir se débrouiller pour retrouver où sont les trucs. Ok, la tour elle est... Matériel Typhoon non concluant. Enregistrement de la demande de calibrage. Ok, ok. Donc le stockage, c'est bien derrière. Ok. Jenny. Et ça, c'est quoi, ça? Qu'est-ce que c'est que ce petit point qui est là? D'accord. On sait pas trop ce que c'est. Bref. Objectif multiple, d'accord. Donc, on va aller au stockage, on va au stockage. Et puis, le reste, on verra plus tard. Allez, allons-y. Mais c'est bon. C'est bon, les gars, pétez pas. On passe dans l'herbe, si c'est ça. Et ils font faire genre, ils vont trouver, là. Ok, le stockage, c'est là-bas. C'est bien ce qui se pensait. Raccordement électrique. Vous ne m'avez pas vu. Vous ne me voyez pas. Y'a aucune bestiole dans le coin? Vraiment? Ça me paraît bizarre. Attends, là il a détecté une mimique. Où est-ce qu'elles sont? Ah oui. Y'en a une là, y'en a une dans la flotte. Hein. Ah la saloperie. Elle est transformée en nénuphar. Ça c'est quoi? D'autres spécimens. Un fantôme ternique, très bien. Dame. Ah, il y en avait deux. Oh là là, le fantôme m'a foncé dessus, m'a défoncé. Il m'a défoncé. Il m'a défoncé la gueule. Juste d'où date la dernière sauvegarde? Ici, ok, ça va. C'est pas trop loin. Ça va. Bonjour. Ouais, t'avais un transcripteur, j'avais pas vu. Tout va bien? Ça ira. J'ai dû poireauter un moment. Deux blaireaux de la vente s'étaient dit que c'était le moment idéal pour fumer des cigares juste en dessous de l'alarme. Bon, la cargaison a quitté Talos. Mes clients sont impatients. Ouais, j'avoue. Ouais, je viens d'envoyer la dernière partie. C'est le bon moment. Elle devrait arriver sur Terre demain matin, heure de la côte ouest. Très bien. Je te laisserai un autre paquet demain, après le service. Lieu de livraison? Le grand hall, en espérant qu'il fonctionne. Évidemment qu'il fonctionne.
Tape 3 fois dessus avec une clé à griffe. Ça l'ouvrira. Ils marcheront tous pareil d'ici demain. T'es trop mignon quand tu parles de tes gadgets comme ça. Ne me prends pas de haut, Lily. Réseau de contrebande. Oh, ça tape 3 fois dessus. D'accord. Donc il y a des trucs de contrebande où on peut aller. Ok, très bien. Ça m'intéresse, on verra ça. Voilà. Ok. Donc là... Wow. Et ça, où est-ce que ça nous emmène exactement? Hop, des nouilles. Mais mange-les les nouilles, j'ai faim. Où est-ce que ça nous emmène ça? La passerelle de Talos One. Ok, d'accord, très bien. Écoute, c'est une information intéressante, mais dont on ne va pas se servir pour le moment. Ok, il faudrait que j'arrive à repérer cette saloperie de fantôme. La mimique, c'est bien. Il est là. Ok. Pourquoi il veut pas le repérer? Même moi je le vois. Il est juste là. Le truc. Je ne le vois pas, mais moi je le vois. Ah bah voilà. Voilà, c'est bon. Nouvelle aptitude disponible. Ok, ah non, c'est le fantôme éthéré, c'est même pas le fantôme thermique. C'est-à-dire qu'il y en a un deuxième. Ou alors j'avais pas de chance la première fois, il y avait... Je tapais un fantôme thermique. Donc encore pire que l'autre. Je vais prendre des agaves. Ok. Il faudrait réussir à passer tranquillement. C'est pas une échelle, ok. Faudrait réussir à passer tranquillement. Tiens, est-ce que je peux en commander un? Petit opérateur là, on peut pas en commander un s'il vous plaît? On va faire ça. Hop. Ok. Vas-y. Hop, c'est bon. Ça peut être utile. Surtout si c'est un opérateur pas de psy mais de combinaison. Une personne doit se rendre à son poste STP. De travail pour la journée. Allez, soignez-moi. Yes, merci. Merci mon gars, merci. Ok, normalement on est discret, on va pouvoir lui péter la gueule. Faudrait juste qu'il soit tout seul. Pourquoi tout d'un coup tu changes de sens? Gâché. Oh, il y en a deux. Oh, il y a l'autre. Voilà, je vais dire, celui-là, tu ne vois pas quand même. Ok. D'autres spécimens sont requis. Oh là 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 là. Non, mais là, il y a les deux. Mais comment je vais faire? Comment je vais faire avec les deux, là? Ok, on va essayer de les... On va les... utiliser ça. Pardon. Voilà, l'heure à Typhoon. Ça les a pas tués. Pas tout à fait, on va dire. Ouah, mais le leurre à Typhoon, il est ouf. Polyard. C'est ouf, quoi. Le leurre à Typhoon, il est énorme, en vrai. Oh là là. Ok, la charge recyclante, ça fait vraiment... Franchement, ça fait le... C'est... Ok, matériel minéral. Oui, il y avait un truc, là. Ça fait vraiment tellement le taf. Ça fait tellement le taf. Mais du coup, on en a pas beaucoup. Il faut faire attention. Ok. Là, le... Puis gravitationnel d'Alex. Genre c'est pour monter chez lui. Ah fuck. Ah, il nous faudrait le mot de passe. Il nous faudrait tellement le mot de passe. Ce serait tellement bien. Ok. Je vais quand même aller m'occuper des saloperies qui sont là-bas. Voilà.
ça. Ah, elle a pas voulu mourir, elle. Très bien. L'autre est mort instant. Ah! Il avait une troisième. Non, là par contre, je vais pas me faire avoir pas trois fois. Non, mais ça par contre, faut que je la tue avec. Elle est supérieure celle-là. Ouais, fais pas chier, même si t'es supérieur, moi je te bute. Hein. T'es supérieur que Pouik. Ok, j'ai vraiment plus de vie cette fois-ci. Bon après-midi, Talos. Il est midi. Ouais, c'est ça, bon après-midi, il est midi. Génial. Ah merde! Ah, c'était du. C'était du vert. Ah merde, je pouvais pouvoir m'enfoncer, très bien. Ok, faudrait pas que je me fasse attaquer par une autre bestiole. Pas maintenant. Voilà, genre dans un recoin sombre. Miroir choix de la scène. Wow. Salut Thomas. T'as l'air un peu mort. Ok, d'accord. Voilà, on peut prendre les munitions sur celui-là. Choix de la scène. On peut relancer sa simulation, s'il vous plaît. J'aimerais voir ce qu'il était en train de regarder. Pendant qu'il est mort. Plaque, alors, donnée par Catherine Yu. Vous vous souvenez qu'en fait, il y avait un truc, c'était Philippe Yu, un truc comme ça. C'était pas Axe, c'était pas Alex, ni Morgan. Donc du coup, ça doit être la maman et le papa. Ce qui est un... Ce qui veut dire qu'ils étaient, sur la... Sur la truc, hein. Ils étaient sur la station, à un moment. En tout cas, ou alors ils l'ont donné de loin. Choix de la scène. Voilà, bon. Je m'en suis douté si au bout d'un moment ils veulent pas que nous on entre. Alors, kit de secours, prends-le. C'est tout? Y'a que ça? Juste un kit de secours? Oh, je suis un peu deg, j'avoue. J'ai cassé une belle vitre et un bel écran juste pour ça, je suis un peu deg. Ok. Ici, y'a pas de plaque commémorative ou je sais pas quoi. On est bon, genre j'aurais pas une sœur et tout ça. Ça se trouve, y'a toute ma famille en fait ici. Plaque. Ah, la mémoire de John Fitzgerald Kennedy. Là par contre, c'est différent, c'est pas. C'est pas le même délire, quand même. C'est pas le même délire. Ah, ils ont nommé l'arbre le Fitzgerald. D'accord, ok, très bien. C'est sympa, ces petits easter eggs, on va dire. Bon, l'opérateur est toujours là-bas. Il n'a pas bougé. Opérateur, tu peux me soigner encore? Inspection en cours. Votre combinaison. Je vais refermer la page. Ça me va. Terminé. Merci beaucoup. Ok, on va continuer. Et on va aller dans le stockage cette fois-ci pour de vrai. Allons-y. Ok. Oh, la petite musique là. Ces gens sont morts. Recharge de clous, ok. On prend. On transcribe. Hey, qu'est-ce qu'il y a? Tout va bien? J'arrive pas à ouvrir cette saloperie. Où est Daniel? Elle répond toujours pas. Oh, Zachary, t'as pris cher. Seule la voix de Daniel peut déverrouiller ce truc. Il faut qu'elle nous communique la phrase clé, ou on rentrera jamais. Est-ce que des échantillons de voix marcheraient? Qu'est-ce que c'est ça? Carte au trésor de Rendemar. Ok. Des enregistrements transcribe. Ouais, s'ils contiennent les bons mots. Ou si on en a assez pour faire correspondre sa voix à une liste de consonnes et voyelles et commencer à créer des schémas. Je vais tenter de la retrouver. Elle ou son transcribe. Je vais voir dans sa chambre. Ok, mais Ivy, ne fais rien de stupide. Ivy? Ivy? Merde. Pourquoi Daniel, ils finissent toujours ça? Pourquoi ils sont toujours en train de faire... merde! Merde, ils parlent plus! Mais ça va, deux secondes, il a raccroché à deux secondes. Là, du coup, faut trouver un transcribe, alors. Que la chose soit encore en vie. Vous devriez suivre la méthode de Zachary West. Éditez ensemble plusieurs échantillons vocaux. Votre transcribe est équipé du logiciel requis. Très bien. C'est ainsi que vous avez conçu ma voix. Commencez par chercher dans la cabine de Daniel. Ok, donc du coup, il faut partir par là-bas. Il faut sortir dans l'espace! Ben, je crois que c'est ce que nous allons faire. Sortir dans l'espace. Allons-y. Moi, j'aime bien l'espace. Je suis sûr. I'm sure. I want to go in space. Donc, il va falloir faire un petit tour en dehors, là. Pour pouvoir atteindre, je suppose, une nouvelle zone. Microgravité détectée. Oh, yeah. Oh, putain. Là, on a accès aux armes.
Je me demandais si vous étiez perturbé par le fait d'avoir organisé votre propre mort. Comment ça? Ce n'est pas facile comme situation. Oui, je suis un peu perturbé, si mais ça va. Je vais vous donner un conseil. Ne pensez pas à ce qu'il va arriver. Concentrez-vous sur la prochaine étape. Une chose à la fois. Une chose à la fois. Si vous avez besoin d'aide, je suis là. Ah, bordel. Ok, allons-y. Alors, est-ce qu'il y a des bêtes? Non. Brèche de la coque, quartier de l'équipage. Ah, est-ce qu'on pourrait pas, du coup, essayer... Ah, peut-être qu'on peut s'occuper de la brèche depuis là. Depuis maintenant, depuis ici. Bah écoutez, ce que je comprends pas, c'est qu'il m'a fait partir d'un point pour me faire revenir d'un autre. Sans aucune raison. Alors ça nous a fait une jolie balade, c'est vrai. Mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi nous avoir fait sortir pour revenir ensuite. Écoutez, on va rentrer pour voir ce qui se passe là. Parce que là, je comprends rien. Je comprends juste plus rien du tout. D'accord. Mais on est d'accord que là, ils me disent d'aller là-bas. Mais que je ne peux pas y aller. Oh non, ils vont me dire que la cabine, en fait, elle était au-dessus. Je me suis trompé, il fallait pas du tout aller dans l'espace. Ah non, on va vachement plus haut, là, je comprends pas. Ah si, c'est ça. Genre, sa cabine, elle va pas être là, du coup. Hello, toi. Ah là 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 là, sa cabine, la cabine, elle est là-bas. Ah là là, elle est là-bas, avec toutes les bestioles. Avec les deux fantômes qu'il y a, ok, très bien. Viens avec moi, petite tourelle. La tourelle HS. La tourelle HS. Toi, tourelle, toi. Toi, tu as plus de vie. Toi, tu viens avec moi. Allez, on y va. Parce qu'il y a deux méchants là-bas. Je n'y arriverai pas. Je n'y arriverai pas sans toi. Alors, viens avec moi. Qu'on s'amuse un peu. Non, tourelle. Mais non, je voulais pas la pirater, bordel de con. Surtout que je fais n'importe quoi là. Mais oui, surtout, je voulais pas du tout la pirater. Ça va la niquer. Voilà, voilà, du coup elle est HS. Ah, espèce de méchant. Non. Stop moving. Je te pète le crâne. STP. Les petites nouilles. Échantillon de boîte de pétri. Voilà. Calon à glu. Voilà, là, les robots ils sont pas contents. On va les laisser où ils sont. C'est très bien. Est-ce que j'ai ce qu'il faut pour débloquer ça? Pas du tout. Ok. L'objectif est en bas. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça. Je me souviens qu'il y en avait un. Tiens. Non. Tiens, mange tes morts. Il est mort. C'est ok. Non, il est vraiment mort en vrai. Ah ouais. Incroyable. Non, c'est le mec en haut. Putain, il m'a fait peur. Ok, on va prendre ça, on va prendre tout ça, les blinis. Des blinis. C'est très bon les blinis. Ok. Waouh. Bonjour. Vous êtes Lizzie. Lizzie. Très bien. Et on a un plan de fabrication de fusil à pompe. Ce qui pourra nous être utile. Alors. Ah oui, yes. C'est bon. Heureusement, on peut aller dans cet endroit. C'est tout ce que je voulais. C'était aller dans les quartiers de les quartiers de l'équipage, c'est ça en fait. Il m'a dit d'aller dans les quartiers de l'équipage. Sauf que là où j'étais, il y avait une brèche. Donc comme il y avait une brèche, ça s'est pas ouvert. Parce que sinon, on aurait pu largement passer par l'extérieur, quoi. Ça aurait été plus rigolo. Largement plus rigolo, quand même. Je pense. Beaucoup plus rigolo que de faire tout le tour, là, et de tuer des gens. Les gens, c'est rigolo, mais là, pas trop. Dans ce jeu, en vrai, c'est tellement compliqué d'affronter les trucs, t'as tellement pas envie d'y aller.
C'est pour mourir toutes les deux secondes. Ok, génial. Bernard ? Vous, je vous vois. Un autre pantin qui me cherche avec des œufs noirs derrière les yeux. Approchez. Oh mon dieu. Encore un peu. Est-ce qu'ils vont tous se transformer ? S'il vous plaît, dites-moi que non. Ok. Nouvelle attitude, psy. Stupide pantin. Quoi ? Vous aussi ? Vous voulez entrer dans la cuisine ? Dans la cuisine ? Tiens, venez. Oh, je veux pas spécialement aller dans la cuisine. Pourquoi vous obéissez ? Vous pouvez pas lutter contre la voix de la bête ? Non. Non, vous approchez pas. Oh non, 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 non.